L'Algérie. Péfu, dis-nous tout. Est-ce que t'es arabe? Bienvenue à tous les amis. Rangez vos bagnoles. Un petit dernier. L'Algérie. Bonsoir à tous les amis. Installez-vous, bordel de merde. Installez-vous. Que votre voiture soit encore intacte ou pas, installez-vous. Bonsoir à tous les amis. L'Algérie a gagné l'Arab Cup 2021. Alors certains nous diront, c'est éclaté cette coupe. Ce qu'il a pas tort. Non, je sais pas ce qu'il a pas tort, mais on était content aussi quand la France a gagné la c'était quoi? Je me rappelle déjà plus comment elle s'appelait cette compétition. La coupe de c'était quoi d'ailleurs? La Nation League. Atlético Séville t'abuse le P. Vraiment, il y a des mecs, faut vous enculer un moment. Vraiment. Quand c'est pas Danse avec les Stars, quand c'est pas Koh-Lanta, c'est Atlético Séville, mais je stream quand moi en fait? Je ne peux jamais streamer. Et quand je ne stream pas, Péfut, nique ta mère, tu streames pas. À un moment donné, voilà. Je vais m'énerver comme Patrice Evra. Parce que là, je vois Patrice Evra sur une miniature YouTube avec Jérôme Rotten. Je crois que Jérôme Rotten, il a pas trop envie de croiser Patrice Evra dans un vestiaire. Bonsoir à tous, les amis. Fais-le pour la Palestine. Doucement. Doucement, les amis. Il est tôt. Doucement. Pardon, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Stream tous les jours. J'essaye, en vrai. J'ai juste pas stream hier pour la simple et bonne raison que j'ai été voir Spider-Man. Spider-Man, il y aura pas de spoil ici, il y aura pas de danse. J'espère que tout le monde va bien, mais je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai pensé du film, sans vous spoil bien entendu. C'est quoi le planning ce soir? Alors, le planning ce soir, c'est-à-dire qu'il y en a pas. Je me suis dit, c'est samedi soir, ça va être tranquille. Les gens qui seront sur le stream, c'est les gens qui ont pas trouvé de soirée, donc ils seront pas trop difficiles. Donc ils vont être là, mais ils vont me téma, je vais les téma. Et voilà, on va discuter un peu ensemble, on va discuter de tout et de rien, et puis on va trouver... On va trouver de quoi on va parler ce soir, bien évidemment. Péfut, je te sens heureux. Alors, il y a mon psychologue qui est là dans le chat comme tous les soirs, c'est Abattar TPFut. Alors lui, les amis, quand je suis heureux, quand je suis malheureux, quand j'ai une bimole, il le sait. Voilà, il le sait très très bien, il sait tout ce qui se passe. À l'heure actuelle, oui, je suis heureux dans ma vie, tout va très bien, ne vous inquiétez pas. Encore plus depuis que j'ai vu comment Tante May a bien vieilli. Non, sérieusement, c'est trop. On va pas spoil hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais Tante May, incroyable. Je ne vais pas spoil Spider-Man, pour la simple et bonne raison que même si je voulais spoil Spider-Man, je ne pourrais pas parce que j'ai absolument pas compris le film. J'étais là dans la salle, les gens ils rigolent. Ah ouais, ça. Ah, it's funny. Pourquoi ils rigolent, c'est con? C'est le dernier spectacle de Thomas Gijol ou c'est Spider-Man? Pourquoi les gens ils rigolent là? Je comprends pas. J'ai pas compris la vanne. Non, je vais rien spoil du film, mais bon, comme vous le savez, j'habite maintenant à Dublin et malheureusement à Dublin, on parle irlandais. Donc le délire c'est que moi je me suis dit je vais aller voir Spider-Man tranquille, c'est un film d'action. Spider-Man, je le regarde depuis que j'ai 10 ans. Je vais réussir à comprendre ce qui se passe. Sauf que le problème c'est que dans Spider-Man, ils discutent un peu ensemble. Et j'avoue que l'irlandais doucement. Irlandais sous-titré arabe. Je ne sais pas pourquoi c'était sous-titré en arabe en Irlande. Belek, parce qu'il y a peut-être une grande communauté arabe en Irlande, je ne sais pas. Mais non, franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai compris le film. J'ai compris le film, mais que quand il y avait de la... j'ai compris le film que quand il y avait de la bagarre. Vous allez me dire, mais normal, parce que quand il y a de la bagarre, ça parle pas. Ceci explique cela. S'il y a une meuf qui veut venir voir Spider-Man avec moi en France, je suis preneur. Je vais vite rentrer, vite aller le voir en français. Non, franchement, le film est incroyable. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est n'allez pas le voir en anglais. N'allez pas le voir en arabe, sauf si vous parlez arabe. Je sais qu'il y a des gens qui parlent arabe ici. Attention, parce qu'ici c'est l'arabe littéraire. Donc peut-être que vous parlez arabe, peut-être que vous parlez, parce que je sais que Mourad il est algérien, il parle arabe, mais il ne comprend pas l'arabe littéraire. Je ne connais pas la différence entre les deux, mais voilà. Le film est bon, ça fait longtemps que t'es dans Spider-Man. Non, plus sérieusement, j'avoue, j'ai compris le film, mais pas dans son intégralité, et j'ai également pas compris certaines choses, pour la simple et bonne raison que je pense que si tu n'as pas vu les derniers Spider-Man, tu ne peux pas comprendre. Enfin, tu peux comprendre, mais il y a beaucoup de choses que tu ne t'assimileras pas pendant le film. Peut-être que je me suis trompé, mais je crois que si t'as pas vu les anciens Spider-Man,
Doucement. Moi, le dernier Spider-Man que j'avais vu, c'était Spider-Man 3. Donc voilà. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, personnellement, ça va. C'est un dialecte différent. Un arabe littéraire, un arabe populaire, c'est pas la même chose. Ouais, c'est comme le français qu'on parle, par exemple, en région parisienne, et le français qu'on parle dans le nord de la France. C'est peut-être pas la même langue, c'est peut-être même pas les mêmes pratiques. Et du coup, je me suis grandement remis en question et je me suis dit non, c'est plus possible en vrai. C'est plus possible. Il faut que j'apprenne l'anglais pour de bon. Il faut que j'arrête mes conneries. Et voilà, j'avoue que le film, j'ai pas tout compris. Bah surtout que en vrai, j'ai pas compris les moments où ça rigolait. Vous savez que moi j'aime beaucoup rire. Donc quand je voyais toute une salle à côté de moi qui rigolait, moi j'étais camasse. OK. Apprends l'arabe, c'est mieux. Alors faut savoir qu'à Dubaï c'est un mélange de Dublin et de Dubaï. Mais c'est Dubaï avec des impositions Dublin. Dublin, c'est Dubaï avec des impositions. Tu vas pas aller à Dubaï s'il y a des impositions. Je t'aurais dit. Non, du coup le film est très très lourd. Je vous conseille d'aller le voir rapidement parce que sinon vous allez vous faire spoil. Moi, ce que j'ai compris du film, peut-être que je me trompe, hein, pour ceux qui l'ont vu, je vais pas spoil, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de refs en fait. Il y a beaucoup de refs pour les fans de la série qui je pense va parler à beaucoup de monde. Quand t'es un ancien de Spider-Man, normalement t'es dans la salle, tu regardes le film et tu te dis t'as la ref. T'as la ref, ouais, t'as la ref, ouais, moi aussi j'ai la ref, tu te souviens de... Ouais, moi aussi, ouais. J'ai envie de vous spoil, mais je vais pas vous spoil parce que je suis pas un bâtard. Des rêves de nos grands frères, on aime ça, ouais, franchement, ils ont mis le paquet sur ça, et non, le film est incroyable. Le P, il a tous les maillots de foot du monde. Bon, pour le coup, celui-là, il n'est pas à moi, voilà. Je l'ai shippé à un ami algérien, dont je tairai le nom, qui s'appelle Mourad, tout simplement. Vous connaissez pas cette vidéo? Attendez, je vais vous la montrer. Vous êtes pas en soirée, les gars? Vous avez pas eu de soirée? Vous êtes des merdes. Vous sortez pas le samedi soir? Les soirées de samedi soir, quelquefois, ça me déçoit en vrai. Hein. Autant être sur Twitch. J'ai absolument pas la ref. Si quelqu'un peut m'envoyer un lien, peut-être qu'il aura la ref. Mais ce mec, il est tout le temps énervé par contre. Ce mec, vraiment pas envie de le croiser, hein, je vous le dis. Non, vous inquiétez pas. Je vais pas vous montrer une vidéo de Jerem Star, à part que ce mec-là m'effraie. C'est tellement pas crédible. Avec sa musique de tantôt. Et derrière, il y a lui qui fait le gros dur. C'est tellement pas crédible. Ouais, il devait pas savoir qu'il allait mettre la musique comme ça. Oh le QI, écoutez le QI, vous êtes prêts? Ah, je peux vous dire que lui il aurait joué avec Qui veut gagner des millions avec moi. Il aurait perdu la première question aussi, hein. Analysez la phrase. Elle est venue accompagner? Elle est venue accompagner une personne dont je tairai le nom et que j'ai dit de rester dehors parce que je la connaissais pas, qu'elle avait rien à foutre chez moi, Rachel Mouyal. D'une personne dont je tairai le nom. Qui? Rachel Mouyal. Effrayant. Ah ouais, lui, on n'aurait pas aimé être son voisin en 39-45. Bref, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi ça va très bien. En vrai, depuis hier, je pense à Spider-Man. Pas ouf, Mister V, j'espère que c'est pas moi qui est devenu aigri. C'est peut-être ça en vrai. C'est peut-être ça. Les Algériens ont l'air de bien s'amuser. Il y aura pas d'Algériens sur le stream ce soir, hein. Ils sont tous dehors. Il y aura des danses. Ils insultent Zemmour. Eric Zemmour va Nico Mouk. Le message est passé. On pourra écrire d'ailleurs sur ce beau tableau. On va le faire en vrai. On va le faire. La CAN 2019, l'Arab Cup 2021, la World Cup 2022. Si l'Algérie gagne la Coupe du Monde 2022, je t'aurais dit Belek, pourquoi pas. Bon, personnellement, je n'y crois pas. Désolé d'éteindre les rêves africains, les rêves algériens. Je n'y crois pas une seconde. Peut-être que cet extrait ressortira un jour et que je me ferai caillassé. Il y a la CAN 2022, mais comme la CAN 2022, on sait pas si elle va vraiment jouer. Je me suis dit, peut-être qu'on la met pas. Je pense que le plus intéressant, maintenant qu'ils ont déjà gagné la CAN 2019, l'Arab Cup 2021, c'est ça le plus important. Mais c'est vrai que la CAN est censée arriver là, en fait. Donc, peut-être qu'ils gagneront la CAN avant la Coupe du Monde. Mais bref, c'est pas ça que je voulais dire. Je t'aurais dit, qu'est-ce qu'on devait écrire sur le tableau, je me rappelle plus. Pourquoi je me suis levé? Pefu, t'es arabe? Zemmour. Voilà, comme ça, c'est très très bien. Zemmour, nique-moi. Ah, bizarre, je dis juste que c'est bizarre. Tu vois, c'est pour ça que t'es pas invité au Z-Event. Le bon vieux MT Nueve, c'est une ordure de bas étage qui me dit « J'ai trouvé une nouvelle psy, venez raconter vos soucis, votre psy est là. » Quel souci j'ai dans ma vie Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Tu supportes le PSG? C'est vrai que je supporte le PSG, mais bon, je vais pas me plaindre parce qu'il y a sûrement des Catalans qui sont là ce soir.
Bellec, pourquoi pas la psy parle anglais. On espère que la psy parle anglais, du coup. Voilà, toi t'en plus, toi. Toi t'en plus du tout, t'es pas au courant qu'ils sont 14 dans Spider-Man. T'as pas l'air du tout au courant.